Alors voici le début de ma chaîne YouTube. Donc je me présente Quentin 312. Salut tout le monde, c'est Quentin 312 et on se retrouve pour une vidéo sur Sancho the Third. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer une mission, je pense. Salut tout le monde, c'est Quentin 312. Aujourd'hui, nous aurons une vidéo sur un jeu qui fait peur, c'est SCP-085-D, The Descent, que vous ne savez pas, je ne sais pas trop fort. Oh, je recule. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Hey, I become so numb, I can feel you there. Because so don't have a match or aware. I become this way. Dans quelques secondes, en fait c'est maintenant que je vais le dire. Aujourd'hui je vous présente donc un nouveau concept qui va tourner autour des musiques de jeux vidéo. C'est le top 5 Music of Games. Que j'en ai autant d'un coup. Je regarde derrière moi dans la réalité, je regarde derrière moi dans le jeu. Ok, non, c'est bon, j'ai juste... Oh putain, non. Oh putain, non, non. Vas-y, bute-moi. Non, non, bute-moi. Ok, non, je peux pas là. Non, non, ok, c'était. Je... Oh non. Ok, excusez-moi. Eh bien, salut tout le monde, c'est Quentin 312. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très courte, puisque je vais faire l'unboxing d'une chose. Alors, je l'attrape. Unboxing de l'édition collector de World of Warcraft Mist of Pandaria. La nouvelle mission que je vous présente aujourd'hui se nomme Découverte de jeux rétro.
Chin, College Boy. C'est un clip qui a fait vraiment parler de lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un clip qui est jugé violent, choquant, très dur. Je déconne, en fait, je sais pas du tout jouer de la guitare. J'ai simplement créé une troisième chaîne YouTube qui sera pour moi la seconde, puisque l'autre, je la délaisse un petit peu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo bien spéciale, une vidéo spéciale 100 abonnés. J'ai fait des vidéos pendant un certain temps. Là, je dis ça, je me vois un peu assuré, c'est pas parce que j'en ai rien à faire. J'en ai besoin pour me reposer, pour voir un peu à quoi rime ce que je fais. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Quentin72 et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo spéciale 2 ans de ma chaîne YouTube et de notre chaîne YouTube. Donc j'ai un certain nombre de choses à vous dire, je vais essayer de concentrer tout ça en 7 minutes maximum, musique oblige. Donc voilà. Alors déjà je voudrais parler des choses qui fâchent, ou plutôt des choses qui vont fâcher certaines personnes. Sachez que depuis quelques semaines, pas très longtemps, je suis passé partenaire YouTube. Donc comme vous le savez, ça me permet de monétiser mes vidéos, mais aussi de pouvoir mettre des miniatures. En tout cas, c'est ce que je croyais, puisque les miniatures se sont débloquées avant, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, voilà, ça me permet aussi de pouvoir les mettre en ligne, donc ces vidéos, à un moment donné, donc en les programmant. Bref, ça me permet d'avoir un certain nombre d'avantages, mais je voudrais faire un petit zoom, disons, sur la monétisation. Sachez que je ne monétiserai pas toutes mes vidéos. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que pour gagner de l'argent sur une vidéo, c'est bien d'avoir fait un vrai travail de qualité. Donc je pense notamment au let's play. Si pour moi tel ou tel épisode d'un let's play ne m'a pas demandé du temps, ne m'a pas demandé de l'imagination, enfin voilà, ne m'a pas demandé grand chose à part faire le montage vite fait et puis c'est bon, je ne monétiserai pas la vidéo. Donc c'est le cas notamment pour certains épisodes de let's play, par exemple un premier épisode je pense que je monétiserai parce que l'introduction me prend beaucoup de temps à faire. Et puis voilà, parce qu'après, pour les épisodes suivants, en général, j'ai juste à mettre l'introduction que j'avais déjà fait, à mettre l'épisode, à mettre en lien avec, avec ma voix. Bref, c'est quelque chose d'assez simple. Donc pour ce genre de vidéos, ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas monétisées. Même chose pour des vidéos un peu plus détentes, où clairement, je fais pas grand-chose. Pour moi, donc je vais faire un petit résumé, pour moi, je ne monétiserai pas mes vidéos quand, à mon avis, elles ne m'auront pas demandé beaucoup de temps. Et c'est pas le temps qui importe, mais c'est plutôt la qualité. Si pour moi, ce n'est pas d'assez bonne qualité pour que je puisse gagner d'argent, et encore l'argent, clairement, ça sera 1€ par mois, je pense, pas plus. Je ne les monétiserai pas, j'ai du mal avec ce mot. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point par rapport à l'argent, parce que je sais que c'est un sujet ultra tabou sur YouTube, donc je préférais vous dire déjà que j'étais en partenariat avec YouTube, pour que vous le sachiez, et voilà, vous dire que telle ou telle vidéo ne sera pas monétisée. De plus, alors sachez, au niveau des vidéos qui vont arriver donc avec cette reprise, vous aurez des concepts déjà faits hein, sur la chaîne, donc notamment découverte de jeux rétro, le top 5 Music of Games, ce genre de choses, mais vous aurez aussi un certain nombre de nouvelles émissions. Sachez que ces émissions, je vais faire des sortes de tests pendant ce premier mois de vidéos. Par test, ce que je veux dire, c'est que je vais faire telle ou telle vidéo. Je vais bien entendu pas vous dire dans cette vidéo les concepts que je vais faire, en tout cas pas maintenant. Vous aurez par exemple des vidéos, enfin un nouveau concept de vidéo, je le ferai, et si je trouve que c'est pas la qualité qui est pour moi celle que je veux sur ma chaîne, je ferai tout simplement, enfin je vous demanderai votre avis. Si vous trouvez comme moi que c'est pas de super bonne qualité, bah j'arrêterai ce concept.
Si par contre vous trouvez que c'est bien, c'est sympa, vous me le dites dans les commentaires. Et à partir de là, je pourrai continuer cette émission. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour les nouvelles vidéos. De toute façon, ça commence dès demain, donc le 30 septembre. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'arrêtez pas tout de suite, puisqu'il y a encore des choses qui arrivent juste après. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je suis très content de vous retrouver. Bye.